Ah bonjour Désinvolte. Ah mais je pensais que t'allais continuer, moi j'allais trade. Bon, Désinvolte, on m'a dit que tu étais Radio Cara avant. Bienvenue, merci d'avoir refollow avec un autre compte apparemment. on regardait Asile. Bon du coup je vais et sur le on regardait Asile et du graffiti et sur sa jurisprudence, enfin la jurisprudence qu'il voulait mettre en place, qui est la jurisprudence Asile, quand il s'est fait choper à jouer le jeu, c'est un graffeur, un tagger. Quand il s'est fait choper, il a dit, bah, je joue le jeu. Ok, je me suis fait choper, mais par contre, vous allez commencer à bien mettre le prix et pas surfacturer. Et donc, du coup, il a essayé de faire un contre en recalculant comment nettoyer ses graffitis, sachant qu'il a attaqué majoritairement la RATP. Et là, on allait lancer à l'autre Rascal. Donc, on va commencer à looter. Voilà. Et je vous ai remis le lien. C'est une vieille vidéo de Mediapart. Il y a l'ancien logo et tout. Donc voilà. Bonjour Clem Lelu. J'espère que tu vas bien. Je fais un shoot-out, bien entendu, à Désinvolte. Faire shoot-out. Et Mayday émission, c'était Radio Canu aujourd'hui sur création. Et création d'emote aussi, c'est ça? Plus création d'emote, j'imagine. N'hésitez pas à aller suivre Désinvolte. Contenu de Carlitad. Et du coup, alors, c'est ce que je disais sur l'Outrascal, c'est qu'il y a un chiffre à mettre quelque part. Partie numérotée. Hunter Seed. Alors, nous, on était à 82, 57, 53, 6. Ah, ça rentre pas. Quoi? Mais le numérique, quoi? 8, ouais. 2, 5, 7, 5. 3, 6. Si heureusement, je l'ai noté. Hein. Les emotes. Vous voyez des emotes? Oui, alors le joyeux nom et joyeux rave avec des emotes. C'est vrai que c'est des emotes de où ça? Joyeux, c'est qui joyeux? Merci à Clem Lelu qui s'est craqué durant ce live. Tu t'es bien amusé du coup, Clem Lelu, j'imagine. Trop cool le mini docu bonne découverte. Ouais, il est très bien. Mais on fera plus souvent des trucs comme ça parce que on a toujours. Comment ça s'appelle? Si vous voulez regarder des docus, il y a le. J'avais balancé le docu sur le skate. Apparemment, un des grands docus de skate. Et moi, je connais pas mal de docus de graffiti. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à demander. Hein. Je vous montre des trucs. Trop cool le mini. Mais moi, j'aime pas les réacs. Vous avez dû remarquer que je suis pas très à l'aise avec ça. Sur le graffiti, je peux discuter un peu plus. Je fais la moitié de Paris Burning, mais je vais tout reprendre avec des sous-titres anglais. Je présume de mes capacités à comprendre l'anglais. Ok. Et donc, normalement, la seed, c'est bon. Alors, est-ce que j'ai mon deck? Bah non. Donc, Lutrascal, c'est un jeu où on a un deck. Est-ce que je peux aller chercher mon deck d'après vous? Oh, c'est lui hein, qui nous donne le deck. Non. Moi, je veux aller chercher mon deck. Ce fut une cata. Ok. Essayez d'utiliser Gim que je connais un peu. Si jamais il y a besoin d'aide, je peux aider. Hein. Évêque, sachant que moi je hais Gimp, et je crois que Clem Lelu le sait, je hais Gimp, mais parce que c'est pas user-friendly du tout. Et je pense que Désinvolte a dû capter. Et c'est pas simple d'entrer, mais si jamais il y a besoin d'aide, je peux aider. Faut juste me faire une feuille de route sur ce que vous voulez faire. Migration hasardeuse, rapportez-moi cet objet pour deux emplacements de cartes. Ok. Dépensez un jeton pour vous téléporter sur une carte du hasard. Faut trouver migration hasardeuse, ok. Et faut trouver évêque le barbant, Giovanni. On va chercher Giovanni. Alors attention, il faut compter les pas. Là, on est à un pas de la nuit. C'est mieux. En diagonale? Voilà.
Blocage. Et hop. J'ai décidé de jouer bien aujourd'hui. Feuille de route, droit dans le mur. Ça marche aussi, ça marche aussi. Ça marche aussi. On va essayer de faire les tout le monde là, tous les télé-woom là. Encore un et c'est bon. Donc si j'avance, normalement c'est bon. 23? Ah, c'était pas 2B? C'était 20? Ah, d'accord. Oui, mais le problème, c'est... Alors... Rejouer le numéro. Oui, on va rejouer le numéro. Alors, je vais juste préciser. Moi, le problème, c'est que je le... À l'explication, et je travaille à un endroit où il y a des personnes qui sont âgées, qui doivent l'utiliser. Je te garantis que c'est pas... Se rappeler de tous les gestes, noter tous les gestes, ne pas se tromper dans tous ces gestes, c'est très compliqué. Très très compliqué. En fait, ça peut marcher pour des personnes qui se rappellent de tout, ou qui ont une habitude de travail, par exemple, dans le graphisme ou ce genre de choses-là. Mais à partir du moment où vous êtes un peu en dehors du truc, vous avez fait toute votre... Et AG et TB pour moi, quoi. Pour tu parles de. Tu parles à Cam. Si tu parles à qui? Moi aussi je fais AG et TB, c'est vrai. Mais quand même. Ouais, donc du coup l'idée c'est que c'est difficile de. C'est difficile en fait pour. C'est difficile en fait de se rappeler des erreurs et de consolider en fait ces erreurs là en tant que potentielle solution. Je trouve que peut-être après c'est les personnes avec qui je travaille entre guillemets, mais que j'accompagne plus là sur le coup. Mais voilà. Ah non. Carte de droit plus 2 en placement impair. Déjà, hop, plus 2. Oui, c'est bon. J'ai envie de partager, mais pas forcément de faire des commentaires ou d'être dans la posture de la personne sachante. Ouais, c'est exact. Alors, c'est pour ça que moi j'avais fait le contrat racial. Je fais l'introduction. J'avais fait le contrat racial et j'avais fait. D'autres. Si j'avais fait une écologie décoloniale en lecture, mais j'avais sur l'écologie décoloniale, j'avais fait la problématique de Malcolm Ferdinand. Sur la plantationocène, faut que depuis j'arrive à le dire. Et le truc c'est que ouais, en fait c'est moi je trouve que c'est pas non plus réglo. La lecture c'est réglo. Parce que ça permet une accessibilité au bouquin. Le réac, un peu moins. C'est bien de donner son avis, mais il y a des fois où, par exemple, sur la lecture, je trouve que c'est un peu... ça fait un peu ouais, posture, comme tu dis. Mais je comprends. Après, il y a des gens qui sont très calés sur ça. Moi, je sais que sur ce genre de livre-là, je peux pas réellement réagir en ayant un bon avis que je valide moi-même déjà. C'est compliqué. Hermès, il est mort? Comment? Le graffeur? Attends. Attends. On parle bien de Hermès le graffeur, j'imagine. Je vais te chercher. Pardon. Non. Ah non, attends, peut-être que c'est... Attends, je me trompe. Alors, oui, il y a eu... Alors... Mais peut-être que... Ça fait un moment... Alors, attends. Soit j'ai oublié. Que là, ça fait un moment... Ça, je suis... Attends.
C'était quand ça? 2022? Ah mais c'est... J'ai totalement loupé ça. Attends. Et du coup, attends, pourquoi il me parle de Hermès, lui? Hermès est un des grands graffeurs qui a défoncé Paris. Si vous voulez savoir. Alors, attendez, je regarde vite fait. Mais dans ce cas-là, ils auraient dû... Enfin, je sais pas, c'est le... 2022, moi j'ai un truc de 2022 confirmant un truc de... Il y a écrit 2B, ou ça il y a écrit 2B? Ah c'était 2B, oui il y avait bien écrit 2B, donc du coup je sais pas, oui, alors attends. Je reviens ici parce qu'ils disent qu'il y a confirmation d'un article du Parisien, mais je trouve rien du Parisien, là je suis sur un article qui est... Donc apparemment c'est le problème le problème des graffeurs, c'est-à-dire la troisième rail. Donc là, il y a trois rails sur les métros, pour certains métros, et celui de la rail du milieu, du coup c'est elle est électrique, donc elle est électrisée. Et donc du coup c'est le problème, apparemment c'est ça. Alors il y a des passeports qui ont été retrouvés à proximité, qui étaient en possession des bombes de peinture, ont été identifiés comme, d'accord, je vais pas donner les noms. Ça rentre dans les âges. Heurté par un train le matin. Même ou dans la nuit. Mais ils disent pas la date. Confirmant une information du Parisien, je clique sur le Parisien. Oh non mais ouais, tout est bloqué aussi sur mon téléphone. Oh non non. C'est des Toulousains apparemment, je savais pas. Accepté, j'accepte. Mais non, mais c'est pas Hermès là. J'ai tapé sur Hermès, mais c'est pas Hermès, c'est d'autres personnes. Hermès normalement est quand même un soupçon plus vieux que 34 ans, je crois. Quand même, entre 28 et 34 ans, c'est pas mal, mais je pense que c'est un peu plus vieux. Alors, est-ce que Hermès a donné son nom? Ça, c'est une autre question. Je trouve pas pour l'instant. Et si vous voulez savoir qui est Hermès, c'est la personne qui est en pause. Et bah, ça tombe bien, parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Je vais checker et je reviens, mais normalement, je crois que c'est pas lui, hein. Faut checker. J'arrête. Oui, c'était bien les deux noms que j'ai vus, mais je préférais pas les dire. Donc, et oui, c'est deux personnes qui sont décédées apparemment à New York. Mais alors du coup, pour Emma, j'ai pas l'info, donc pour moi, je dirais qu'il est toujours in life. Alors actif, pas vraiment, je pense pas. Par contre, en général, il y a quand même une
y a des raisons pour lesquelles les graffeurs arrêtent. Hein. Il y en a d'autres qui n'arrêtent pas. Ouais, on va essayer de la choper, la petite souris, là. Oh non, appuie pas sur les robots. J'ai 10 de défense, je vais jamais l'avoir avec un mec 3 d'attaque. Compliqué. Oui, parce que Hermès n'a pas, ne fait pas partie des personnes qui ont switché très rapidement sur le street art. Et donc du coup, qui a donné son nom. Pour être facturé, plus. Donc du coup, par exemple, quand je cherche Hermès, je suis obligé de chercher Hermès aussi, comme la marque. Ce qui est plus difficile du coup à trouver. Ok, on va pouvoir s'équiper là. Autre baléorite, plus un carte du dessus, 0. Bah c'est très bien, parce qu'on va te mettre là. On va se débarrasser de ça. Ça nous fera un jeton. Et là, on est à combien d'attaques? 6. Bon, on continue. Peut-être essayer de faire la minorette, mais... Oh là là! Sur la formulation, un artiste peintre français appartenant au mouvement de l'art urbain graffiti. Oui, oui, non, mais oui, voilà, tu vois, par exemple, voilà. Moi, je... Beaucoup de mal, hein, avec la... Non, mais en fait, faut pas... Alors, je vais vous dire, moi, j'ai fait un gros travail sur la recherche de l'écrit, aussi dans le graffiti. C'est-à-dire, comment les gens en parlent, c'est très, très, très compliqué. Hein. Beaucoup de photos, beaucoup de livres qui sont sortis avec beaucoup de photos, très peu d'écrits, d'analyses... Du coup, je suis allé chercher du côté des lignes, en tout cas à l'époque où je le faisais. Parce que là, je fais un peu moins. Faut bien le comprendre, hein, je suis vieux. Bon, oui, toi, on va t'avoir. Hein. Ah, l'évêque Giovanni! Nous te cherchions. Je vais le battre. Hein. Emplacement impair plus 2, carte du dessus. 0. Impair. Ici. Congo. Ils sont payés en nombre de mots. Oui, il y a ça aussi. Bien sûr qu'ils sont payés en nombre de mots. Je l'ai. Par contre, je vais devoir survivre. Dépenser un jeton pour vous téléporter sur une case au hasard. C'est très bien ça. Du coup, faut que je la tienne, c'est ça? Ou je peux le faire maintenant? Non, je sais plus. Je ne sais plus. Je vais la mettre là. Par défaut. Voyage aléatoire. C'est intéressant. Ah, c'est coût 1? Ouais, mais du coup, ça ne me sert à rien, actuellement. On va le faire quand on aura besoin de vie. Ah bah j'ai trouvé la fin. Est-ce qu'on y va? On peut rester en vie. Exemplaire unique plus 2. Bah c'est exemplaire unique, c'est très bien. Ça nous fait un jeton en plus. Voilà, il a dit je suis vieux. Mais oh ah. Moi je soupçonne hein, que nous sommes du même âge. Enfin non, remarque, c'est vrai que je suis plus âgé que la plupart des gens sur le net, actuellement. Non, non, je pense que Kara, tu es plus jeune que moi. J'avais un pied dans les street art à Paris et l'amour fou entre les graffeurs et les street artistes. Ah bon? Ah, il y a vraiment un amour fou ou c'est ironique? Parce que je me doute bien hein, qu'il y a eu de la bataille. Il y a eu de la bataille, c'est clair.
Ironique, je me doutais. Autre casque, est-ce que j'ai un casque? Non, plus 1. Donc, est-ce que ça ne sert? Non, pas du tout. Alors, après, on pourrait mettre une défense en plus, mais est-ce qu'on est si dans le besoin que ça? Je ne pense pas. On a 12 de défense. T'as même pas besoin de lunettes, on reparlera de tes vues quand on aura des lunettes. Alors, j'avais des lunettes, je les ai perdues. Ah, je suis ce genre de vieux. Et si on doit genrer les vieux. Ah, Minoret, hein. De toute façon, c'est par là qu'il faut aller. Un Minoret qui ressemble quand même à quelque chose, hein. Je ne citerai pas, mais ça ressemble à un truc. Voilà, bonjour, je vous ai trouvé ça. Donne-moi. Ok. On va peut-être se payer un peu de vie. Oui. Très bien. On va se... Ah oui, c'est ça, on va valider notre deck là pour l'instant parce que c'est pas mal. Un pack d'entraînement pour cette zone. Ouais, avec plaisir. Ok. Ah, c'est qu'une manière de penser, la vieillesse. Merde, j'ai des lunettes, la journée commençait bien pourtant. Non, mais voilà. On va essayer de se balader un peu, voir ce qu'il y a. Mais vous fuyez quand c'est la nuit, quand c'est la journée, et vous me coursez quand c'est la nuit. Y a une question à se poser, hein. Acceptez la défaite. Ah. Ah, je veux bien, c'est une défense un peu plus agressive. Allez, hop. La minorette. Dans 75 tours, on est dans le caca, n'oublions pas. Exemplaire unique plus 1 sur la colonne 2. 0. Faut que je me débarrasse de ça. Ah non, c'est sur la colonne 2, 0. Donc voilà, elle est pas sur la colonne 2 et donc plus 1 parce qu'elle est exemplaire unique. Ok. Je roule sur les gens, hein. Remarquez-le. Carte sur sous 1. Là, si je fais ça. Celle-ci, elle était plus 1. Et elle est pas plus 1. Pourquoi? Ah, parce que c'était une baléorite. Donc, hop, là, c'est bien. C'est mieux comme ça. On a plus de défense, plus d'attaque. Moi aussi j'avais perdu mes lunettes, toi. T'as regardé sur la roue du tracteur? Non, j'ai pas regardé sur la roue du tracteur, c'est vrai. C'est quand t'as mal partout et que tu peux plus lire des BD aux toilettes sans lunettes. Ah, c'est pas mal. Elle est bien. Je me sens pas concerné, mais... Parce que j'ai pas une utilisation des toilettes comme ça, mais... Je comprends. Après, il y a d'autres manières d'utiliser les toilettes. Il paraît. Bon, on continue par là. De toute façon, on est un peu dans la découverte du monde. Ah, bah voilà, on a bien fait de passer par là. Je prends. Le 7 salé. La glace ne fait plus glisser et ne coûte pas de tour. Mais ça, on s'en fiche pour l'instant. Ouais. On n'a pas de 23 d'attaque ou 23 de défense. Donc, on va attendre. De 5 tours, bon, on va peut-être passer à la suite. Bien fait de faire ça. Waouh. J'espère que ça va pas spawn ici par contre, ça serait bien.
Non, il paraît qu'il y a d'autres utilisations. Ouais. J'ai toujours pas compris comment ça se déroule le truc de. On est. Alors, 11? Ah ouais, mais on n'a pas de pouvoir, on a rien. On va attendre que ce soit le jour. La nuit. On va avoir besoin de jetons aujourd'hui, hein, je crois. Rien que lui, là, le Lunk, en fait, m'approche pas. Oh mon dieu. Allez, gagne! Oui! Oh là 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 là, c'était dur, ça. Ça, c'était dur. On a 6... On a 6 de vie. Allez, vite, 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 vite. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que tu me voulais? La malodorante Florencia m'a volé. Volé des bombes. Rapportez-moi cet objet pour une carte. Dépenser 5 jetons pour faire exploser une énorme bombe. C'est vachement bien. Mais il faut avoir des jetons. On apprend sur les habitudes du chat ce matin. Ouais. Ça arrive, hein, ça arrive. Ça, c'est 16. C'est pas un B. C'est 16. Je peux avoir aucun des deux. Logiquement, je peux avoir aucun des deux. À part le peut-être. Ah, mais le Grox, en fait, ils ont tendance à voilà, ils ont tendance à être un peu agressifs. Agressifs. On s'est un peu sur notre tête, quoi. Bon, hop, hop. Voilà. Là, normalement, ça devrait mieux aller. Ah. Je re-rentre dedans. Comme ça, il m'attaque pas. Et je l'attaque la nuit. Ok. La nuit, on a dit, pour vous. C'est quoi ça? Ah oui, c'est une léchouille. Bah très bien. Bim. Wow. Alors attendez, attendez, j'ai un pouvoir, j'ai un pouvoir, j'ai un pouvoir. Il faut qu'on protège quoi? Et on va prendre celui-ci comme exemplaire. On a un exemplaire d'attaque. Il faut que j'utilise maintenant. Non? Je peux pas glacer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? De toute façon, là, je peux même pas avoir mes pouvoirs parce qu'en fait, je suis sur voilà. Compliqué, en fait, ce passage-là. Pourquoi ils sont tous à des niveaux... pas faisables, en fait. Que 15 d'attaque. Moi, j'ai pas de... En fait, j'ai 15 de protection. C'est-à-dire que je prends forcément un coup. Là, je peux défendre, mais si j'attaque en premier, ça va. Hein? Est-ce que je peux geler cette personne? Bim! Ah non, ah oui, c'est vrai, ça bouche le chemin. C'est pas mal, en vrai. Hop, 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 hop. Ah, un ogrillon. Un ogrox. Eh, il fait dodo, là-haut. Ah, il y a quelque chose qui a été automode. Attendez. On va tout faire péter. On en apprend soin. Ro, faut que j'arrête avec ce mot. Je fais automode à chaque fois. J'avais envie de te dire quel mot, mais c'est un peu bête. On va tout faire péter. C'était. Ah bah là, généralement entre 10h et 11h, je photographe les loirs de mon grenier. Mais là, il y a 13 minutes. Du coup, je bois un café en insultant les faves sur les réseaux pendant encore 5 minutes. C'est vrai que c'est mieux. C'est vrai que c'est mieux. Alors, entre prendre en photo les loirs et. Et s'amuser à insulter les gens, je sais pas. Je sais pas ce qui est mieux, mais pas mal. C'est bien rigolo en tout cas. Bon, on va y aller, hein. Mais vas-y, je perds des points de vie gratuits. Moi, je peux même pas en plus regagner des vies comme ça. Je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec vous deux, vous êtes... J'ai même pas de pouvoir, je vais me faire démonter. Je m'enfuis. Je vais mourir. Sauvez-moi. Comment je fais? Regardez comment il court là, lui là.
Genre, je peux même pas sortir. Je vais utiliser tous mes tours ici. En fait, faudrait que je cours à la bombe là-bas, mais c'est compliqué. Faudrait que je le gèle, lui. Ben, prends des points de vie, mais c'est 8 balles, les 8 points de vie. Je n'ai pas 8 balles. On n'est pas du tout dans Baldur's Gate, là. Hein. Est-ce que je peux l'avoir? Je pense pas que je vais l'aurai. Il va forcément me taper, il a niveau 27. Comment tu veux que je fasse, là? L'autre, il bouge pas, par contre. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il faudrait que je cours, mais c'est compliqué, ma vie. Je crois qu'on est dans le caca, hein. Rien vu du monde. Il y a une bombe juste à côté, mais on n'y arrivera jamais. Faut que je puisse bloquer un chemin. Mais le problème, c'est 8 jetons. Oui, c'est 8 jetons. Ça me fait rire de me faire automode par esquici ou sur les réseaux. Je fais relativement attention de pas trop être dur dans ma façon de parler, alors qu'inréel. Oui, bah pareil. Hein. J'utilise beaucoup trop d'insultes. On va attendre la nuit déjà. Mais je l'ai quelque part à un moment. Non? Non. C'est la fin. C'est la fin. Là, je suis forcément obligé qu'on se tape. Là. Je peux même pas le geler. C'est l'enfer. Et en plus, il est en mode attaque à 25. Il me tape direct. Pas de blocage. Et voilà. Bah, bien sûr, bien sûr. C'est toujours les meilleurs. Après, j'ai deux emplacements de plus, mais ça me sert à rien si je meurs bêtement. Ah ouais, mais du coup, j'ai pas mes deux emplacements parce que j'ai pas le même numéro. Oh là là. Oh bah vas-y, bon, allez, si. On va faire ça. Hein. C'est pas exactement la même position. Ah si si. Bah du coup on sait où c'est. Faut juste qu'on soit mieux équipé pour la suite. Donc du coup faut prévoir qu'on va devoir taper à 25. Ce qui est un peu complexe. Hein. Viendez vous battre. J'espère que tu vas bien, Camus. J'ai l'impression que t'es de bonne humeur. Ça t'a fait du bien d'aller voir des involtes. 3, 5, oui. Oui! Ah! J'étais obligé de me protéger. Hop, ça fait perdre un point de vie. Et ce qui est triste, c'est que les Oum, y a moyen hein, de les faire. Hein. Les Wook, là. Voilà, mais sauf que quand c'est la journée, ils me tapent vraiment salement. Bon, à se protéger. Hein. Emplacement unique plus 1. Oh. Ouais, mais là, j'ai pas le time pour ça. Hein. Là, on a besoin de protection. Là. Il y a un truc que je calcule mal, je pense. Par exemple, ma vie. Mais il y a pas tellement pas de jetons, là. On en a eu deux. Qu'est-ce que la vie. On va aller là-bas, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses. Faire gratuitement des vies pour rien, ça me fatigue. Carte sur sous plus 1.
Bonne journée, merci pour le raid, hein. Bonne journée à toi, désinvolte. Et n'hésite pas pour les photos de Loire. Je peux passer à autre chose après les FAF. Je pense que c'est mieux même. Dans le sens où au moins ça va te plaire. Je pense qu'on va retourner. Je pense qu'on n'est pas loin d'avoir d'avoir un jeton en plus là. Eh bien non. Mais j'ai aucun d'attaque, c'est quand même dramatique cette histoire. Donnez-moi des jetons. Des jetons, s'il vous plaît. Voilà, je perds des vies en plus, oh là là. J'ai un jeton en plus ou pas, d'après vous? Je crois pas. Hein. Autre baléorite, ben, on n'en a pas. Carte du dessous, zéro. Ah, du dessus. Ok. Bon pour moi. Et on a un jeton en plus. Allez, on va se barrer. J'aurais dû enlever plus de la défense. Parce qu'on avait pas mal de défense. Là, c'est un peu gratuit ce que j'ai fait. Ouais, j'ai que 3 en attaque. Hein. C'est beau, hein. Là, je vais avoir le droit à... Ah. Commence à 9. On va essayer de monter parce qu'on n'est jamais monté. Ok. Ah bah voilà. Oh non, faut le taper lui. J'ai dit faut le taper, mais moi je veux pas de robot ici. Hein. On va le taper là. Non mais, pas de robot. Là, je peux revenir en vie, ça. Ouais, ça. Deuxième vie avant la mort. Je vais la garder là. Quand je serai à 1. Oh! Ah, c'est mieux. Oh là là. Faut se mettre en danger. Exemplaire unique, plus 1, carte de droite, moins 1. Allez hop, on enlève de la défense. Un vrai tank. Oh non, les robots. Oh là là, ça va faire mal ça. Il va apparaître dans mon dos. Je me rappelle plus des niveaux des robots. On peut se téléporter. Il a quitté, il a quitté, il a quitté. Oh non, il est revenu dessus. J'ai pas d'exemplaire unique de slip, ça sert à rien. Ah! Les pouvoirs encore. On prend. Qu'est-ce que c'est? Tous les méchants sont désorientés, c'est toujours intéressant. Par contre, il faudrait qu'on enlève un truc. On va enlever... Ah mais si j'enlève de l'attaque, c'est nul. On va enlever un short. Là, ça pouvait être intéressant, le... Ouais, on va revenir au dôme, je pense. Ça a coûté 25, mais on est mieux. On est plus à l'aise. Par contre, on n'a pas trouvé sa carte, hein. Voilà. On va aller voir si c'est... J'aurais peut-être pas dû faire ça, c'est pas grave. Maintenant, on peut rouler sur tout le monde, de jour comme de nuit. Je crois que c'était par là le... la fin. Donc on va aller par là. Voilà. Évêque. Bonjour. C'est bon, je l'ai. Pour l'instant, on est bon. Emplacement impair plus 2. C'est la défense. Donc impair, c'est 5 par exemple.
Ah, du dessus. Normalement, c'est en bas. Ça a l'air propre pour l'instant. J'ai l'impression aussi. Exemplaire unique plus 2. Hop, bim. Et voilà, la fin. Par contre, on n'a pas de... On n'a pas beaucoup d'attaques. Mais il nous reste 12 tours pour finir. Donc... Je me rappelle plus du niveau des... Ah ouais, 8 tours, c'est compliqué. Vas-y, on passe à la suite. Ça va être quand même compliqué parce qu'ils sont à 25 après. J'ai l'impression qu'on est sous... sous-doté, on va dire. Après, j'ai des capacités un peu plus intéressantes. D'ailleurs, j'ai cette carte-là. Dépenser un jeton pour vous téléporter sur une carte hasard. Peut-être qu'il faudrait que je la donne à quelqu'un. Je sais pas à qui, mais... c'est combien, là? 8. Oh là là. 16. On peut avoir le 11. Et on a des cartes de 3, de 1, pour vous dire à quel point on se fait avoir. On est les 16. Oh non, mais je l'ai eu de la nuit. Oh, mauvais calcul. Ah, je peux avoir le requin. Encore un mauvais calcul. Oh là 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 là, chat 1. Y a rien qui va. Voilà, j'ai perdu direct. Oh, les deux blocages qui font plaisir. Allez, on se barre. Anna. 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 Anna, on se barre, hein. Voilà, boum. Anna. Oui. Boum, boum. Bon, faut vraiment être bien équipé. Au moins que je sois à 12-12. Au moins. C'est au moins que je puisse faire quelque chose, quoi. Parce que... En fait, je disais que c'était infini, mais en fait, on peut ne pas... Oui, on peut ne pas jouer, quoi, en fait. C'est aussi ça, hein. On peut ne pas jouer. On a vraiment les mêmes cartes. C'est beau. Ouais. Ouais, ouais, mais on va y arriver. C'est ça qu'il faut se dire. Par exemple, en fait, j'ai pas trop, je devrais pas avoir peur des petites souris ou des hooks, en vrai. Là, je la chasse pour vraiment rien. Hein. Elle va me piéger, elle va me taper dans le dos, mais bon, c'est pas grave. En fait, là, ils peuvent pas me taper. J'ai trop de défense. Par contre, toi, si. Non, mais laisse-moi. Ça va. Ça va bien. Moi, je veux des cartes, en fait. Je veux des cartes. S'il vous plaît, donnez-moi des cartes. Toi, tu peux partir, hein. Y'a pas de problème si tu pars. Ah, les minorettes, au moins, elles ont pas un chemin unique qui est moi.
Oui. Ça se tente. En tout cas. Ok. Un plus 2 déjà, c'est bien. Exemplaire unique, ok. Carte de droite, moi. Non, mets-toi là. Ah non, mais carte de droite, c'est ici. Non mais regardez-moi ça. Ah oui, il y avait cette histoire-là que de toute façon on allait utiliser la carte unique juste après. On va prendre celle-ci, on va enlever celle-là. Une histoire comme ça. Mais elle est toujours... En fait ça sert à rien parce qu'elle est toujours là, celle-ci. Elle est deux. Ça sert à rien. Oh non! La terrifiante Carole, elle a 16! J'avais pas envie en fait. Bon, terrifiante Carole, je pense qu'il y a moyen de te jouer. Ah, c'est mal parti. Oh oui! Sûr et sûr! C'est quoi ça? W help. Un artefact mystérieux. Faudrait que je revienne à la base, je pense. Est-ce que je peux me téléporter? Oui. Je vais payer pour la vie. You okay? On va aller chercher la carte qu'on a besoin. Pourquoi je suis à 9 au fait? J'ai si peu de vie. Enfin, j'ai 9 de défense, 5 d'attaque, c'est tout. Je suis à 7. Je suis à 7. Autre baléorite, je suis à plus que 7. Carte du dessus. Très bien. Très bien, on est à... J'enlève 1, ah oui, c'est pour ça. Autre casque plus 1, on a un autre casque, on peut faire ça. On peut tous les faire. Un peu moins tous les faire. Placement impair. Ok, c'est bon. On va ramener la carte. Bon, du coup, on va devoir se taper les anthropophages, là, je sais pas quoi. Merci. On est d'accord qu'il y avait aussi de l'autre côté. Alors, c'est plus c'est quoi la map déjà? C'est 1. Il y a de la vie juste à côté, mais il faut qu'on ait 26.
Non, mais faut qu'on aille vers la sortie. De toute façon, on a que 27 tours, donc... En fait, faudrait qu'on reste, hein, logiquement. Est-ce qu'on tente de rester? Parce que on n'a pas de niveau pour pouvoir taper les 20. On n'a pas 12 en attaque. Faut au moins, je pense, 12, 11, quelque chose comme ça. Vu qu'on galère à trouver de l'attaque, c'est compliqué. Hein. Et là, on va aller là. Voilà. On a trouvé la sortie. Ah, l'attaque. Incroyable. Non, j'ai pas recommencé, j'en suis au même truc, c'est juste que... Enfin, je crois. On tente. On tente de rester un petit peu. Vu que ça bouge pas, pour l'instant, ça va. Ah, y'a frère. Voilà. C'est nul, là, ce que tu me donnes. Moi, je veux des niveaux un peu plus élevés que deux, là, s'il vous plaît. Un peu de respect pour nous. Ah, de la vie. C'est très bien. Je prends. Ah, une carte. Qu'est-ce que c'est que c'est? Dépenser un jeton pour charger un hologramme amical. Ça, c'est pas mal, hein, en vrai. Il faut claquer un jeton. J'en ai 5. Je pense qu'on va devoir aller vers le bas. Oh, c'est 29. Le niveau est un peu élevé. Niveau 20? Mais vous grandissez à... Wow. Tente. Oh, c'est sale. Et on va rien gagner. Ah, c'est dramatique. Oh là 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 là, il y a niveau 30 là juste après. J'ai même pas le pouvoir? Attends. Dépense un. Je vais dépenser. Comment on appuie? Comment on appuie? Je joue pas la manette. Comment on appuie? Oh non, ça fait partie des trucs que j'aurais dû noter. C'est pas Alt, c'est pas Shift, c'est pas Tab. Mon dieu. Ouais, et ça donne rien, hein, ça clairement. Moi, je veux bien claquer pour un holo chargeur, là, si c'est possible. Comment on fait? Help. Journal. D. En fait, faut vraiment commencer du début. Clic droit, molette. Non. Les touches, s'il vous plaît. Les touches. J'ai pas connecté une manette pour juste pour pouvoir jouer. Allez, on se barre. Ah non! Il est niveau 100, mais quel enfer! C'est fini. Bam. J'avais pas la carte de revivre. Si, j'aurais pu faire ça. Hein.
Bon, on recommence du début, du coup. Alors, tu veux quoi comme carte? Le mauvais marque m'a volé volée de bombe. Ok. 2, 2, 2, 2. Mais je pense qu'en fait, il faut garder ta streak depuis le début, quoi. Oh là là, j'ai perdu déjà 2 points de vie. C'est n'importe quoi. Donc. Là, j'ai déjà 7 d'attaque. Pour vous dire la différence de tout à l'heure. Non mais, j'ai tellement d'attaques dès le début que j'ai pas de défense. C'est n'importe quoi. Ça y est, j'ai de la défense. Carte de droite plus 1. Allez, tiens, prends ça. Carte de gauche et droite plus 1. Alors, mets-toi là. Merci. Bon, lui, on peut l'avoir. Même sans qu'il me tape. Le frère Ripo, par contre, non, j'ai pas envie. Je peux claquer déjà ou pas? Non, même pas. Bon, on va claquer. R. Et... R. Ah mais j'ai claqué mais j'ai pas validé. Oh, oh, oh. Le mauvais marque, je me rappelle plus où il est. Mais on va le trouver. De toute façon, c'est en général à gauche. Hein. Moi je veux son pouvoir à au fantôme. Merci. Ah, j'avais pas vu c'était 16. Merci. Carte de gauche plus 2. De défense. Hein. Imaginez que tout à l'heure c'était une galère. Hein. Regardez-moi ces... On a que des trucs bien. Que des trucs bien. Le mauvais marque, on l'a pas trouvé. Incroyable. Ah, mais en même temps, si je joue mal, j'avais même pas regardé les vies. Ah là là, la tristesse. Gracieuse Brandy.
Prix du bas. On a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de protection. Notons-le. On s'en fiche des petites souris. Lui, on s'en fiche aussi. Contre toi, je m'en fiche pas du tout. Je me suis fait avoir par le niveau 5, là. Mais vous êtes beaucoup, en fait. Pourquoi vous êtes tous là? Il m'énerve en fait. Meurs. Mauvais. Eh, mauvaise blague. Oh oui, bien, bien les blocages, bien les blocages. C'est très bien. Fais n'importe quoi, j'ai vu aussi. C'était grave. Il n'y a rien ici, c'est nul. Arrête de me suivre. Arrêtez de me suivre. Vous servez à rien les robots, arrêtez de vous planter. Oh là là. Je pourrais pas m'en débarrasser assez facilement lui. Tiens, va t'amuser. Mais non! Il y avait 10 de défense, là, elle est où ma défense? 7 d'attaque, 10 de défense, normalement c'est bon. Il y a un truc que j'ai pas capté en plus. Là j'ai fait 6 mais je le tape pas en premier mais du coup le blocage normalement il est bon. C'est passé quoi? On est toujours avec Brandy ou... la brute Marco m'a volé des chaussettes salées, ok. Ah que coucou, bonjour. Bonjour Raving Bell, j'espère que tu vas bien. Je pense qu'on au final je me suis dit on va faire du Kalaxa 2. Hein. Ce matin. En même temps, je me fais taper. C'est normal que mes cartes ne sont pas équipées. Ah mais non, mais toi, je veux te voir. Non, pas la nuit, s'il vous plaît. Pas vous la nuit. L'ascenseur 2.0, tu peux rester dans ton coin, s'il te plaît? Non? Je vais devoir me prendre un coup d'électricité avec l'ascenseur 2.0, je préfère maintenant. Elle tape ça, non? Oh là là, j'ai réussi. Incroyable, vite, 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 vite. On va rester en vie maintenant. Faut que je claque. Un repo qui va me poursuivre jusqu'à la fin de ma vie là. Je veux pas te mourir. Parti, regarde. Et il y a quand même un boost de. Sur une case sur deux. Hein. Oh, mais quel enfer. Là, il va passer à 6.
Et normalement, c'est bon. Oh non! En fait, c'est un jeu qui permet d'occuper le temps, je crois. Fatigue, trop de tâches ménagères à faire pendant mon week-end, je me suis démotivé. Ah oui, bon, je comprends bien. T'envoies un chou-tout. Si vous voulez, je vous fais un sneak peek, mais on fera... je sais pas si on va continuer, en fait. À l'outre escale. C'est très compliqué, et je joue très très mal, je trouve. On va s'arrêter là, de toute façon il est l'heure. Je vais juste vous montrer une coulinati, parce que je sais que Strega est dans le coin et que le son a fait effet sur Strega. Je vous montre vite fait parce que ça vous étiez pas là. Parce que j'ai pas fait de communication. Tout simplement. C'est un roguelite. Enfin, je sais plus ce que c'est déjà, je m'en rappelle plus ce que c'est. T'es à la fin ou il y a un truc que t'as pas compris? Je suis pas du tout à la fin, je suis au début. À la fin du jeu, à la fin du temps plutôt, qui m'est imparti aujourd'hui. Par contre, oui. N'hésite pas. Par contre, oui, il y a un truc que je situe pas, c'est. En fait, je comprends qu'on va devoir traverser tous les mondes, mais est-ce qu'on. On en a fait déjà trois. Tu peux aller chercher ta seed, c'est-à-dire le monde où tu en es. Mais par contre, tu reviens à zéro. Ça, je peux comprendre aussi. Sauf que t'as un niveau qui est trop différent. En fait, faut vraiment le faire d'une traite. Et moi, je peux pas. Enfin, je peux pas jouer à ça. Comment dire? Je vois pourquoi il a remis en petit. Pourquoi il a changé? Ah, c'est peut-être parce que j'ai fait... C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je vous montre. On était à l'académie. Ah non, j'ai recliqué sur le son de base. Non, mais on va revenir en arrière. Retour. Je vous montre à quoi ça ressemble comme jeu. On en était à là. Le programme. Et on en était à la découverte des escargots. C'est exactement le même système de jeu, en vrai. Alors, je peux avaler du truc, je peux me déplacer. Donc là, je peux me déplacer, c'est ce qui est vert en déplacement. Donc par exemple, là, si je me déplace ici, je peux manger ça. La patience est d'encre. L'encre est collectée une fois que toutes les bêtes ont fini leur tour et font la sieste. Ne bougez plus votre bête jusqu'à la fin du chapitre. Cela vous perd, vous ne savez pas quoi faire. Si vous ne pouvez pas attaquer aucun ennemi, priez ou faites une sieste. Et là, je peux attaquer. J'ai mangé du feu. Que les escargots, eh ben, ils font manger et manger du feu. Il est sorti d'Early Access, le jeu? De quoi, l'Outrascal ou moi? J'ai pas trop avancé, j'ai juste avancé. Ah, une coulinati? Je sais pas. Il est toujours en Early Access? Non. Même pas vérifier. J'ai vu passer juste. Non, il est sur Steam. Ah oui. Il est en Early Access, indeed. Non, 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 je l'ai tout à fait récupéré de manière... Steamesque. Chaque niveau de Halo d'une bête augmente ses dégâts et sa précision de 1. Une bête ne peut obtenir qu'un maximum de 3. Je vais vérifier. On peut plus être facilement impressionné ici. Mais t'as trop avancé, c'est vrai. C'est un objet. Si je pète, c'est pour l'empêcher d'avancer. Ah oui, je lui monte mon cul. Ménage, pardon, excuse-moi.
Et il est toujours confus, mais il avance. Ah oui, d'accord, ça me donne un peu de d'efficacité, on va dire. Ouais, c'est joli, hein. C'est lunaire, c'est très bien. On peut montrer son cul, c'est magnifique. Vos unités peuvent obtenir plusieurs niveaux de halo je vais mettre un peu plus de son pour Striga. En passant plusieurs fois sur l'autel. Traversez deux fois l'autel pour oxyre votre adversaire en une seule attaque. Donc je passe ici. Je repasse là. Et je oxy mon adversaire. Ah, c'était ça, l'air lunaire, c'était par rapport aux fesses. Oh, j'ai compris. Dans cette bataille, il vous faut éliminer toutes les bêtes ennemies, mettez à l'œuvre les techniques acquises dans les leçons précédentes. Lorsqu'une armée récolte 12 gouttes ou plus de toutes ces bêtes, récupère 5 de santé. C'est très bien, quoi. À gauche se trouvent des nuages de soins qui restaurent entièrement la santé de quiconque se trouve sur leur rang. En fin de chapitre. À droite, il se trouve des nuages d'inspiration divine qui octroient 2 niveaux de halo à la bête sur leur rang. Ok. Oh, c'est compliqué. Faut occuper de l'espace, du coup. Je vais faire dodo ici. Est-ce que je peux faire des saintes pattes? Donne une double halo à une bête ailée. Je te donne un double halo. Comme ça, tu vas en avoir 15 millions avant l'arrivée. Voilà. Je te nache les fesses. Ah non, mais il dort déjà. Bon, c'est pas grave. Prends. Précision en moins. Mal de crâne. Bim. Je t'ai naché. J'ai perdu un peu de halo, mais c'est pas grave. Il va me taper. Je suis sur un truc de soin, ce n'est pas grave. Je vais te nacher les fesses aussi. Salut! Je suis là pour vous nacher, je peux me déplacer encore? Non. Je vous nache. On va faire team nash. Hein. Par contre, on monte notre cul. Ça, c'est fort. Donc là, on est sur le chapitre, donc on a des soins normalement. Ah bah non! Mon lancier! Attends, je peux l'attaquer par la discussion. Bonjour! J'attaque avec la discussion. Je peux booter quelqu'un? Un petit aller-retour peut-être. Faut que je me débarrasse de lui. On va le tuer. Hein. C'est pas grave. Je vais mourir, mais c'est pas grave. J'ai encore deux dos, j'en ai marre. On va gagner avec le chat. Le but, c'est de gagner avec le chat. On va faire que des discussions. On va faire notre stratégie politique. Ah! Il en veut au chat, apparemment. Les évêques s'en souviendront, tu es hérétique maintenant. Ché, prends la discussion dans ta tête. Politique. Bon voilà, je savais pas. Bon. J'avoue que j'ai un peu récupéré d'une autre manière que sur Steam. Qui c'est qu'on va aller voir? Vous voulez qu'on aille voir qui? Je pose la question comme ça. Ça m'évite de réfléchir. Ouais, tu tues avec des mots. Exactement. Merci Striga pour la playlist. Je recheck. Et 11h45. Eh, je suis un peu en retard. Hein. Ouais. Vous avez une envie particulière d'aller quelque part?
Je vais mettre la musique, mais on va pas faire la mission. Ah oui, il y a le feu des enfers, j'ai oublié ça. L'heure est venue de faire la démonstration de mes fameuses actions demain. Commençons avec une bénédiction supérieure. Octroie 3 niveaux de Halo à une bête. Remportez cette bataille en utilisant l'action demain. Bénédiction supérieure. Mix musique, le lassant. Moi j'ai Lilinia, on peut aller voir Lilinia parce que il y a une abeille Minecraft qui se fait en crochet. Ou Joline qui. Bon, on va aller voir Joline parce que ça fait un moment qu'on n'est pas allé voir Joline. Et on va aller voir Joline. Il fait Anar Info. Je pense que ça peut être intéressant pour vous, non? Clem Lelu, bravo pour tous les caractères. 2193. Bravo, bravo. J'arrête le jeu. Hein. Laisse la musique pour Strega. Bravo Strega pour 2119 caractères et bravo Désinvolte pour un raid. Bien sûr, avec et des 975 caractères, c'est beau. Bravo Raving Bell aussi pour 240 caractères, c'est un beau jeu pour la fin. Bravo, bravo. Bon, bravo à tous, merci. Que dire de plus? Que dire de plus? Enfin, on se capte mardi? Ah non, mais parce que non, parce que la semaine prochaine je ne suis pas là. LOL. LOL. Je ne suis pas là. Je serai dans les chats, mais je ne serai pas présent en tant que personne qui diffuse. Voilà. Et on va dire se reposer. C'est pas le cas en vrai. Pas le cas du tout. Non mais après, vous infligez pas la musique si ça vous saoule. Hein. Merci pour le stream, c'était cool. Il reste 10 secondes. Salut! Oui, c'était cool la vidéo. A plus! Bonne matinée!